Salut à tous, c'était Tarpoyant, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de soufflerie. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau test d'armes, le HK SFP9. C'est ça. Donc on tire avec du 9 mm. Je connais pas du tout cette arme, j'ai jamais testé. Mais bon, j'imagine que dans le principe on est toutes pareilles, hein, rechargement, tout ça. Culasse, belle arme qui a un plutôt un bon poids. Et puis bon, voilà, une fois que c'est bon, tout le monde sait comment s'en servir. Hein. On va pas faire de cours de maniement d'armes, mais en tout cas, c'est sympa. On a un bouton d'éjection qui est tout sur le bout. Vous avez juste ici les deux en mode ambidextre, juste ici. Mais sinon, bien cool. Et puis, on va caler la cible, on va mettre les écouteurs au top et puis on va s'amuser avec tout ça. Bon, ben voilà, le chargeur est rempli. On aura 10 cartouches à tirer pour le HK. Le HK SFP9. Donc voilà, premier tir de l'année, j'espère que ça vous faire kiffer. De l'année, ça fait trop du bien. Eh ben ça va, je trouve que j'ai pas trop perdu la main. Bon, après on est sur du tir à 10 mètres. Ben j'en ai une plein cœur. Là en fait il y a les toutes premières, les débuts que j'ai un peu chié et après sur la fin je me suis un peu plus concentré. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'en ai tapé une autre dedans là, j'en ai tapé deux plein centre et je crois que j'en ai collé un peu là encore. Donc je suis encore un peu à gauche, faut que je vise un petit peu en haut à droite par là et ça arrivera. Mais ça va, on est sur le premier tir d'année, je trouve que j'ai pas perdu la main. Donc voilà, on se retrouve quasiment à la fin de la vidéo où je vais simplement caler toutes mes cartouches, mes dernières 10-15 cartouches qui me restent en 9 mm. Dans le chargeur, parce que c'est un chargeur 15 coups. Et comme ça, on va s'amuser en live direct pour terminer tranquille. Et puis tout balancer tranquille. N'hésite pas à cliquer sur cette arme pour t'abonner, mets un gros like, un commentaire, n'hésite pas à partager la vidéo, ça fait plaisir. Et on se retrouve une semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.